La roue de la vie ne cesse de tourner. Un peuple même petit a le droit d'exister. Le fait d'être un déclopé n'est pas mon identité. Mon esprit entier me très bien gré. J'ai une équipe. Je vois la société. Menée par la peur. Où est sa grandeur? Tout a commencé ici, au lac, chez moi. Mon ami Bruno est arrivé avec toi dans les bras. Il m'a dit, je te présente Claude Messier, auteur handicapé. Je t'ai salué, puis tout de suite tu m'as annoncé, il me reste 2 ans à vivre. Mais avant de partir, j'ai des choses à dire. Et j'aimerais que ce soit toi qui portes mon message. Alors là j'ai répondu, tu me demandes de m'embarquer pour un deuil. Parce que si on tourne un film ensemble pendant 2 ans, on va devenir très proches. Puis ensuite, moi, je resterai seul avec mon deuil. Là, tu me regardais avec un grand sourire en disant, tu as très bien compris. Bruno t'a déposé devant moi sur le piano, puis je me suis mis à jouer. Tout d'un coup, tu t'es écrié « Wow! » « Qu'est-ce qui t'arrive, mon Claude? » Là, t'as répondu « C'est formidable d'être étendu au bord d'un lac en écoutant les oiseaux chanter, accompagné par un piano. » Moi, je te regardais, un homme malade, qui n'avait pas l'usage de ses bras ni de ses jambes, puis qui éclatait de bonheur devant moi. Je voulais comprendre. OK, Claude. On va le tourner, ton film. Claude, devine c'est qui vient te visiter. Ben oui, c'est ta ma tante Gertrude. Ça fait des semaines que je me dis, il faut que j'aille voir Claude. Ben voyons, je suis pas encore venue voir Claude, ça n'a pas de bon sens. Coudon, il fait noir dans cette chambre. Là, je vais aller ouvrir les rideaux, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, ça fait du bien. C'est noir pas à peu près. Quelle heure qu'il est, là? Oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre ma montre. Mais là, je peux pas rester longtemps, je te dis tout de suite, parce que j'ai mis un lavage avant de partir. Puis ça, du linge dans la laveuse, mais si non, tu mets pas dans la sécheuse le plus vite possible, ça pourrit, hein? C'est comme un morceau de viande sur le comptoir. Et puis, je suis contente de moi d'être venue aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bonne action. Ça faisait longtemps que je pensais à ça. Écoute-moi un peu, là. Ça fait que... Puis toi, ici, à la maison de... Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais que c'est pas un hôpital, rien, là, mais ça va bien ici. Hein? J'ai rencontré des gens tellement sympathiques dans l'ascenseur. Je me suis dit, quand même, il est bien. Je me suis dit, il est bien. Ça m'a fait du bien de voir que tu étais bien. Ça fait que là, il faut que je m'en aille parce que j'ai mon lavage qu'il faut que je mette dans la sécheuse. Puis, de toute façon, tu sais, il y a tellement de monde. Je voudrais, en tout cas, je voudrais m'en aller.
OK. Alors, Claude, bon, ben, écoute, je fais les salutations de ta part à toute la famille. Et puis, une fois de plus, je suis contente d'être venue te voir. Et puis, à bientôt! Bon, ben, coudonc, c'est parti. Oui, bon, bonjour, bonjour. Mon nom est Claude Messier. Je suis handicapé physique. Et puis, je voudrais faire du parachute. La grande liberté. Oh. La liberté, la grande liberté. D'abord, excellent. On recommence. Mon café. On m'a toujours dit, monsieur Messier, vous ne rentrez pas dans nos cadres. Ben oui, mais je rentre dans quel cadre? Hey, on existe, nous autres. On est un peuple avant toute chose. On n'est rien d'autre qu'un peuple. Alors, faites-nous une place dans votre société. On va la prendre, c'est tout. On est 1% de personnes handicapées. Alors, 1%, c'est quand même un peuple. On est un peuple. Il faudrait peut-être qu'on se réveille. On nous a torturés. On nous a battus. On a fait de la pâte à modeler avec nous. Tout ce que je veux, c'est l'équité. Je dis qu'on est un peuple et je maintiens qu'on est un peuple. Une minorité, certes, mais il est vraiment temps qu'on nous fasse un petit coin. Parce qu'on n'aura pas de petit coin, là. Pas de petit coin du tout. Un peu plus vite. Plus vite? Oui. Ah oui, on débarque. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous bloquer les roues? Non, j'ai jamais fait de parachute. Je suis handicapé physique. Oui. Oh, gros handicap. Qui s'appelle la dystonie musculaire. Hey, j'ai une chanson. Pardon? Veux-tu chanter une chanson? Oui, oui, pardon. OK. Hey, t'es à connaître pour ça parce que tu as fait la préface de ton livre. C'est... Oui. C'est vrai. Non, rien de rien. Non, jamais rien de rien. Rien, de rien. Ni le mal que notre voix fait. Oui, comment ça? Ni le bien, tout ça ne bien égal. Non, je ne suis pas capable de me tenir debout, madame. C'est toi, il faut que j'amène en haut. Hey, je t'avertis, man, commence pas à shaker, là, puis j'aurai pas le temps de te replacer en haut. OK? Merci, madame. Oui, mon nom est Claude Messier. Je suis handicapé physique. Et puis, un de mes rêves, c'est de faire un saut en parachute. Victor! À l'avenir! À l'avenir! Ah, Claude! À l'avenir, oui. À ton saut en parachute. Oui, j'arrive. Oui, salut, Claude. Est-ce que je te dérange? Pas du tout. Es-tu en train de regarder mon livre? Oui, je suis encore entré, je suis à la page 233. Oui, t'avais... Ça fait une semaine que je suis dedans à plein temps. Il y avait un endroit, tu disais, les gens qui me détaillaient de la tête aux roues. Oui. Ou quand tu dis, je suis pas prêt de remettre les roues ici. Oui. Ben, ça, c'est beau, c'est magnifique, ça. Ben oui, mais... Les belles trouvailles, c'est... et ça montre bien aussi comment ces roues-là font partie de toi, là. La photo est superbe. C'est vraiment toi, là. Ah oui, avec le petit sourire. Ironie dans le regard, là. Un petit sourire. Un petit sourire lubrique. Oui, aussi. Ben oui, surtout quand on t'a lu, là. Ah! On voit que t'es un vieux salaud. Ah! Ah, voyons, niaise pas, là. J'ai encore 3 bénéficiaires à voir. Oui, c'est ça. Ouvre la bouche, là. Ouvre la bouche, là. Hein? Vas-y, là, pas de niaisage, là. Je vais faire la clé à vous, Carly.
Vas-y, Claude, là. Hey! Ben bon, de toute belle, toute la gang. L'autre, elle me lave les pieds. Elle sent mes pieds. Oh, excuse. Non. Ah, non. Bon, pas ça. Je voudrais voler sur les ailes de l'espoir. Ça va? Oui, bien. Ouais. C'est beau. Un peu vers ta gauche, mon frère. Ça fait. Non. T'es prêt? Putain de merde! Bon, excuse mon français. Oh, la tête dans l'eau. La tête dans l'eau? Oh, un, deux, trois. Vous n'avez pas d'accompagnement. Quelle belle vie. Bon, ben, OK, d'accord, merci. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Merci, bye. Salut. Allô, c'est toi qui as fait ce livre-là? Oui. C'est une autobiographie. Ah oui? Oui. C'est ma vie. Ma mère. Regarde, tu déranges le monsieur, OK? Regarde, laisse ça là. Vas-y, attends. Maman! OK, tu ne touches pas. Salut! OK. Oui. Et quand je pourrais aller vous voir? OK, prépare-toi. Okay, allez! Il faut se réveiller, pas se laisser écraser. Ils pensent qu'on fait pitié, ils n'osent pas nous regarder. Cessez de nous évangéliser, laissez-nous. Alors, ben, écoute, là, je m'envole bientôt, là, dans le ciel. Et puis, écoute, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ben, écoute, ah oui, je m'amuse. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Ça y est, il est sauté. L'iPhone.
Ah, c'est incroyable, c'est beau. Libération totale. Ah, ça se peut pas être malade comme ça. J'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'on se lançait dans les airs à 13 000 pieds. Ça a été le plus beau trip que j'ai fait pour vraiment dire waouh, j'ai atteint le bout du bout. J'ai atteint le nirvana. J'ai atteint le ciel. Prends ton temps. On peut pas aller moins vite. Attends. Attends. On va profiter un peu. Attends. Tu peux pas ralentir un peu? Eh non, on est rendu. À combien de pieds? On va atterrir dans 2 secondes. Non, 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 non. J'ai pas le goût. Ouais! Ouais! Oh! Oh! Alléluia! Ouais! 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 Et le feu aussi tout chaud, de la petite tête il faisait beau, les châteaux se tenaient debout, et mon royaume était partout. Et je suis devenu un homme, les mots sont mes plus beaux châteaux, mais comme une image vaut mille mots, mes beaux châteaux vont prendre l'eau. L'enfant d'un siècle fou, les riches creusent aux pauvres un trou noir, donnez-moi donc un peu à boire. Et un cahier, versez-moi la mer. Non, à la main. Bravo! Allez, terre. Je suis un homme qui a foncé